Malgré cette période de confinement, nous continuons à vous informer et c'est important parce que les questions sont nombreuses et notamment quel est le rôle du Conseil syndical dans cette période de confinement. Pour répondre à cette question, je suis avec Claude Pouet, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de copropriété service. Alors, quel est le rôle du Conseil syndical dans cette période de confinement? Le Conseil syndical doit assurer le relais du syndic au sein de la copropriété parce que le syndic est en télétravail. Et il n'est pas présent et il ne peut pas se déplacer sur site. En quoi consiste ce travail? Il faut qu'il s'assure que toutes les mesures concernant la protection des salariés et des résidents soient mises en œuvre au sein de la copropriété. En particulier, l'affichage concernant les gestes barrières, le fait que les salariés de la copropriété utilisent des équipements de protection individuelle comme les masques, les gants, voilà. Donc il a un rôle de suivi et de soutien vis-à-vis des résidents et vis-à-vis des salariés de l'entreprise. Il doit aussi s'assurer que les entreprises qui sont mandatées pour faire des opérations d'urgence, ou pour faire des travaux urgents, qu'elles puissent le faire, qu'elles puissent accéder aux locaux, qu'elles puissent intervenir par exemple s'il y a un problème sur une canalisation d'assainissement, s'il y a un problème sur un ascenseur. Donc il doit aussi veiller à ce que ça se passe bien et que toutes ces interventions d'urgence soient correctement assurées. Et enfin, s'il y a des travaux en cours dans la copropriété, il doit faire en sorte que les entreprises puissent accéder au lieu des travaux et aussi que tout ce qui est mesures de protection, distanciation, gestes barrières soient respectés par les salariés afin de préserver la bonne santé des résidents de la copropriété. Donc c'est un rôle assez important au fond. C'est un rôle majeur aujourd'hui du fait que le syndic ne peut pas se déplacer, n'est pas sur place. Et donc il doit assurer la vie en copropriété, je veux dire un bon fonctionnement de la copropriété parce qu'il est sur place et il a cette possibilité de suivre et de vérifier que tout se passe correctement. C'est très clair. Claude Pouet, merci beaucoup. Merci à vous de votre attention et on se retrouve dans un prochain sujet. À bientôt.